Hello les gars, aujourd'hui je vais vlogger la deuxième meilleure journée de l'année, soit la fête, la Saint-Clémence. Enfin bref, là il y a un peu pas assez de lumière, attendez. La meilleure journée de l'année étant évidemment mon anniversaire, le 24 mai pour ceux qui ne le savaient pas. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh! Regardez-moi cette vue. Pour un peu de contexte, je suis chez ma mère à la campagne, là où j'avais filmé le vlog avec les abeilles. Dis-moi, Jamie, pourquoi sommes-nous réveillés avant 10 h un dimanche matin? Eh bien, c'est très simple. Hier soir, nous avons fait une soirée crêpes et on se sent tous mal d'avoir fait une soirée crêpes et d'avoir mangé v'là le Nutella. Donc, du coup, on s'est motivé pour faire du sport, voilà, un dimanche matin. Mais je ne regrette pas le Nutella, donc c'est parti, hein. Pour le vlog. Bah écoute, c'était super, vraiment. Dimanche matin sport, tous les jours, moi je fais ça, hein. Alors, Eleonore, j'ai soumis une hypothèse pour laquelle on faisait du sport à 10 h du matin, un dimanche, le jour de la Saint-Clémence. Est-ce que tu veux émettre une hypothèse toi également sur pourquoi on a fait ce sport le matin? Parce qu'on est trop occupé ce soir pour faire d'autres choses pour le vlog, alors du coup, c'est le seul endroit où on peut caser le vlog. C'est pas du tout pour ça. Ok, j'ai dit n'importe quoi. Je vais aller prendre ma douche et je vais essayer de faire une transition hyper stylée. C'est parti! Et 45 minutes plus tard, voilà le résultat. Une petite douche, un petit maquillage, des nouvelles boucles d'oreilles qui font tata yo-yo quand je bouge, mais j'aime beaucoup le look. Donc aujourd'hui, on a deux vidéos à tourner. Il est déjà 11 h 45, il faut qu'on y aille. Donc c'est parti. Je suis prête. Waouh! Oh, les doubles anneaux en plus! Eleonore, elle m'a dit de la laisser tranquille parce qu'elle est en train de préparer la surprise pour la vidéo de cet après-midi. Pendant ce temps-là, moi, je vais imprimer le script pour la vidéo qu'on va tourner à l'instant. Donc voilà, c'est pas très passionnant. Mettez pause tout de suite dans le vlog et écrivez en commentaire si vous pensez que ça va être bon ou dégueulasse, ces knackis végétales. Bah quoi, tu veux pas apparaître sur le vlog? Bref, il est midi 31 et actuellement il y a deux personnes qui m'ont souhaité ma fête volontairement de leur plein gré sans que j'ai besoin de leur rappeler. Soit ma tante qui est toujours là et qui regarde mes vidéos, merci beaucoup. Et Eleonore qui sait que je tourne le vlog et ça dérange personne que je tourne un vlog en fait. Smells like a knacky doumi. Je vous jure, d'habitude on mange mieux que knaki knoki. Mais c'est super dur à dire. Knaki knoki. Knaki knoki. Mais déjà on dit gnocchi. On dit gnocchi. Knaki knoki. Knaki knoki. Oh waouh! Ça va Mathieu? Qu'est-ce que tu fais tout seul dans le salon? Ça sent bon. Le goût est pas mauvais, mais ça ressemble à la texture, ça ressemble à une quenelle en fait. Pas tellement à une knacky. Mais bon. Et sur 10, tu donnes combien? 2. Monster kill. On a fini de manger. Vous pouvez le voir au fait qu'il ne me reste absolument pas assez de rouge à lèvres. Donc je vais aller remettre avant le tournage de la vidéo. J'ai le trépied et on s'y met. C'est parti! Pour la mise en abîme. Regardez juste comment il fait beau dehors et comment ça fait 1 h 30 qu'on est à l'intérieur en train de tourner une vidéo. Ça fait 1 h 30 que je tourne du contenu pour vous et que je ne profite pas de la chaleur du soleil de dehors. Voilà. Ça fait longtemps qu'on ne l'aurait pas vu, Dame Carcasse. Oui, c'est moi. Et c'est la deuxième tenue. Eleonore n'était pas à l'écran pour la première vidéo, donc elle avait besoin de se changer. Mais pour l'illusion, j'ai changé de tenue, j'ai mis des lunettes, j'ai changé de rouge à lèvres. Et comme ça, on dirait que je tourne mes vidéos voilà, de temps à autre, comme ça, quand j'ai le temps. Alors que nous, on s'est condensé sur une journée, encore une fois, la même journée où il fait beau. Ouais, la même journée où ta sœur elle est là aussi, non, pardon.
Oui, c'est très pratique. Allez, on commence à tourner la deuxième vidéo. Pourquoi je parle comme un débile? La deuxième vidéo est dans la boîte. Est-ce qu'on est éreinté? Oui. Est-ce qu'on va profiter de ce soleil qui resplendit sur nous? Oui. C'est Transition parti. vers le soleil. Bouh! Dame Carcasse, que faites-vous ici? Non, vous ne m'avez pas vu. Éléonore, tu rentres chez toi? Bah non, c'est chez toi ça. On est voisines, c'est parfait. Dans ce sens-là. Le vlog, il n'est pas dans ce sens-là. Ah merde. Bonne fête, Clément! Ah, merci, c'est gentil, hein. On a hâte de rentrer pour faire le gâteau à la châtaigne. Oui! Le gâteau à la châtaigne! Qu'on soit bien. Pourquoi tu zoomes sur ma tête à ce moment-là? C'est juste qu'on soit bien d'accord, vu l'heure et vu la durée de faire un gâteau, on est d'accord pour prendre un goûter, virgule, puis faire le gâteau à la châtaigne qu'on mangera sûrement demain. Tu as peur d'avoir faim pendant toute la durée de cuisson du gâteau à la châtaigne? 100%, j'ai déjà faim. Et donc du coup, comment est-ce possible de faire un vlog chez ma mère sans parler de Charlie, aka Chafouine, qui est un chat qui squatte ici très clairement? Faut savoir que ma mère n'aimait pas les chats et qu'elle l'a recueilli comme le sien. Et genre, c'est pas son chat, mais elle lui a acheté un petit jouet. Papa, 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 il y a une autre personne qui m'a souhaité ma fête. Voilà. Je suis contente. Officiellement, Lucie, si tu passes par là, tu es la troisième personne à m'avoir souhaité ma fête aujourd'hui. Ingrédient primordial d'un gâteau à la châtaigne. Léonore, tu confirmes? Oui. Are you talking to me? Are you talking to me? Hey, je vais utiliser tes œufs pour faire mon gâteau. T'as le seum? T'as le seum? Léonore, tu veux pas faire sa voix en voice-over? Si, si. T'as le seum? Oui! Rends-moi les petits! Rends-moi les petits! Rends-moi mes petits! Rends-moi mes petits! J'ai cru qu'elle avait un accent anglais. Rends-moi mes petits! Rends-moi mes petits! J'espère vraiment que ça s'entend ce que tu chantes d'ici. Les mecs Bref. Sont tous nus. Ah ouais? Les mecs, ils sont tous nus. Ah ouais? Les mecs. Ouais. Les mecs. Ouais. Les mecs, ils sont tous nus. Ah pourquoi? Qu'à nous mettre des doigts, vas-y, dis-le. Elle avait honte. Il ne faut jamais avoir honte quand on chante YL X Fatal Bazooka. Bref. Bon, dernière recette de la journée, parce que là j'ai l'impression d'avoir passé déjà une heure à cuisiner. Je vais faire une recette que j'ai vue sur TikTok sans vraiment reproduire la recette que j'ai vue sur TikTok, aka farcir des aubergines avec une farce. Donc je vais faire carottes, champignons, céleri, échalotes, ail. Donc voilà, c'est parti pour ce petit timelapse de moi qui coupe des légumes. Waouh, succulent. Ah oui, et je vais mettre de la sauce tomate et après je remets dans l'aubergine et je gratine avec de la mozzarella. Je pense que ça ne peut qu'être très bon. Là, nous avons nos deux aubergines vidées, trois branches de céleri, des carottes, il me reste à mettre les champignons, oignons, ail, parce que c'est très bon l'ail.
J'ai jamais dit que je savais faire de la cuisine proprement. Les aubergines sont en train de cuire et moi je vais me prendre une cuite. Je viens de re-regarder l'autre vidéo là, juste le plan d'avant. Est-ce qu'on peut noter à quel point le grand angle déforme mon visage? Bref, c'est une catastrophe. Je vais passer au service. Vas-y, j'attends. C'est très bon, Clément. Alors, on recommence. 3, 2, 1. C'est très bon, Clémence. Et alors, t'as goûté? Vas-y, dis quelque chose, Eleonore. Un voix délice. C'est cuit. Clémence est heureuse. Zoom, zoom. D'accord. Vas-y, non, c'est bon. Ça va encore. De pire en pire. Mais vous êtes tous terribles là, arrêtez de critiquer notre gâteau. La mollosité a l'air plutôt bien. La mollosité. La mollosité. Mais ça vous dérange pas que je filme? Oh là, t'as froncé tes sourcils, non, c'est pas bon. T'as du mal à avaler, hein. La première bouchée, c'est un peu surprenant parce que t'as pas l'habitude de voir cette saveur là. Ouais. Mais en fin de bouche, tu sens la fleur d'oranger et c'est bon. Donc au tout début de la bouche, c'est dégueulasse quoi. Non bref, attendez, mais je tiens à rétablir la vérité. Moi je viens de goûter, c'est délicieux. Donc là, il est en train de se taper une barre. Moi je trouve ça très très bon. C'est bon, hein, ça change. C'est délicieux. Voilà, merci. Si ma maman le dit, c'est que c'est vrai. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. On a bien fêté la Saint-Clémence. Fête qui n'existe pas vraiment, mais bon. Fête qui existe tout à fait. Et fun fact, fête qui coïncidait depuis toujours avec le jour du printemps sur le calendrier. Et qui depuis peu, je ne sais pas, coïncide plus. Parce que si on remarque bien, les changements de saison, c'est tout le temps les 21. Et va savoir pourquoi, là c'est le 20 mars, tout d'un coup, complot, bizarre, on ne sait pas. Mais bref, t'as l'air saoulée par mon fun fact, désolée. Sur ce, je vous fais des gros bisous, allez regarder les deux vidéos qui sortiront bientôt, et pour ça, abonnez-vous. Ça va être un max de fun, un gros max de fun. Et on dirait que ma mère fait exprès de passer l'aspirateur juste pendant que je dis au revoir. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. À bientôt.